Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous entrons dans la semaine numéro 4. Tout le monde veut devenir un 4. Oui! Qu'est-ce qui nous attend cette semaine? C'est la dissertation. On regarde le paragraphe. À tout à l'heure! Le plan de match, on regarde le plan de match ensemble, on y va! Donc le plan de match, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Donc on a une capsule linguistique, on va regarder trois difficultés de la langue française qu'on a tendance à écrire dans l'écriture justement des paragraphes. Deuxième chose, on va regarder les citations, comment devrait-on faire pour écrire les citations dans la dissertation explicative. C'est un retour de ce qu'on a déjà appris en écriture et littérature, français 101. Au cégep de Jonquière. Numéro 3, lecture de Aznavour, la théorie du paragraphe, d'abord, la théorie, oui. On va regarder qu'est-ce que je veux voir apparaître dans vos paragraphes. Numéro 4, tout le monde veut devenir un 4. Donc, on va lire un sujet de littérature comparée. On va aller lire Charles Aznavour et Léo Ferré avec leur vie d'artiste. Ensuite, au numéro 5, un plan sommaire, je vais construire un paragraphe à partir de cet énoncé et puis je vous demanderai éventuellement d'en prendre note et de suivre mes traces, suivre mes pas. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Exercice recherche d'idées, donc c'est notre moment YouTube à tous et à toutes. On va essayer de discuter ensemble. Et enfin, l'atelier, donc ce qui nous attend cette semaine, l'écriture de l'intro et du paragraphe. On a beaucoup de travail. Ça fait mal! C'est pas grave, on est capable. À tout à l'heure. À tantôt. Alors, le plan de match est terminé. On y va. Donc, voilà, le plan de match est terminé. Je réparais. Oui! Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Donc, il nous attend, on va passer à la capsule linguistique. Qu'est-ce qui nous est présenté? Qu'est-ce qui nous est suggéré aujourd'hui? Ce sont trois obstacles à éviter. On les regarde. Donc, premier obstacle, suite à. Donc, c'est un anglicisme. Il faut remplacer l'expression suite à par à la suite de. On n'a pas le droit d'utiliser suite à. Ça nous viendrait de l'anglais. Ça serait un calque de l'anglais. Donc, il faut remplacer par à la suite de. Deuxième difficulté qui nous attend, c'est face à. Là, ça va bien. Je suis face à vous. Vous êtes face à moi. Je peux être face à la mer, mais je ne peux pas être face à mes problèmes, face à mes émotions ou face à mes amours. L'expression « face à » demande une proximité physique. Si bien que lorsque vient le temps et le désir d'écrire cette expression, il serait bien préférable d'écrire, comme on l'a ici au tableau, « faire face à ». Donc là, je peux faire face à mes problèmes, faire face à la musique. Tout le monde veut devenir un 4. Et puis enfin, dernière difficulté qu'on a observée aujourd'hui, c'est l'expression « au niveau de ». Donc, ces trois petits mots sont vraiment problématiques parce qu'ils demandent deux choses. Ils demandent d'abord de respecter une hauteur. Donc, ici, un truc vraiment d'élévation. Donc ici, par exemple, au niveau de, on pourrait dire « je suis au niveau de la mer » ou « vous êtes au niveau de la mer », etc. Donc là, on a un truc vraiment précis pour ce qui est de « au niveau de ». Donc ça implique une hauteur. Et puis la deuxième chose qu'il nous est permis de dire, c'est « au niveau de », mais ça implique une hiérarchie. Donc on pourrait dire, par exemple, que la décision a été prise au niveau des professeurs, parce que là, ça implique qu'on reconnaît qu'il y a les étudiants, les professeurs, ensuite la direction et éventuellement le ministère. Donc ici, on pourrait régler cette problématique en disant « au niveau de cette décision a été prise au niveau des professeurs ». Donc ça, ça a du bon sens. Mais je ne pourrais pas dire « au niveau de mes émotions, je vais bien ». Donc ça, ce serait interdit, ce serait une erreur de syntaxe. Et puis, donc c'est ce qu'on avait ici tout à l'heure. Donc ce stade de baseball est au niveau de la mer. Donc là, c'est très joli comme cela. Donc voilà pour ce qui est des trois pièges de cette semaine, les trois pièges YouTube. Donc suite A, face A et au niveau 2.
Voilà pour la capsule linguistique. On passe à autre chose. On va aller voir la théorie du paragraphe. À tout à l'heure. Alors, j'avais oublié qu'il fallait d'abord regarder comment on va insérer les citations dans les paragraphes cette session avec moi. Donc, on va aller regarder notre outil d'écriture. Donc, c'est un outil qui va nous permettre de ramasser beaucoup de points. On y va. Donc, on va regarder comment ça se passe. Donc, bien sûr, on a cet outil-là qui est disponible sur le site d'amélioration du français, le www.ccdmd.qc.ca/fr. qui nous permet de comprendre comment ça se passe. Donc ici, on l'a dans la plume et le portable. On peut aller le consulter si ça nous tente. Mais bon, on a quelques trucs à regarder, quelques numéros. Et puis, le premier truc qu'on a à regarder, donc la première difficulté, donc il faut toujours annoncer nos citations au moyen d'un bout de texte. Donc, il faut toujours annoncer nos citations au moyen d'un bout de texte. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, on pourrait essayer de se rappeler de tous ces mots qui nous permettent d'allonger notre nombre de mots dans la dissertation. Donc, on a un exemple ici à l'écran. Donc, c'est d'ailleurs ce que le lecteur peut voir ou constate au moment où le personnage affirme. Donc là, ça semble un peu long, mais c'est vraiment habile parce que si on compte un peu les numéros, donc les mots, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on a environ 10 ou 15 mots, en fait 15 ou 17 mots qui sont répétés au moins deux fois par paragraphe. Donc, en amenant les citations avec autant de mots, mais ça permet de relâcher la pression sur l'analyse et sur le sujet amené de la dissertation. Donc, c'est environ 30 mots par paragraphe, donc 60 sur deux paragraphes. Donc, ça permet d'allonger la dissertation et c'est beaucoup plus pratique que d'écrire « il dit deux points ». Et puis là, ben, on n'a plus rien à dire. Donc, on essaie de se rappeler de ça, s'il vous plaît. Donc, c'est d'ailleurs ce que le lecteur constate au moment où le personnage affirme. Donc, c'est une manière d'amener les citations qui est tout à fait géniale parce qu'elle utilise plein de mots. Et puis bien sûr, les citations doivent être placées entre guillemets français. Donc on ouvre les chevrons, donc blablabla, deux points, on ouvre les guillemets français, et ensuite on balance la citation. C'est ce qu'on va nous dire, donc blablabla, deux points, on ouvre les guillemets, et on balance la citation. Donc elle est la rose de ma vie, on met le point à l'intérieur des guillemets, et on ferme les guillemets français, et à ce moment-là, on a fait notre travail. Ce qui est vraiment cool avec moi cette année, c'est qu'on n'a pas besoin d'écrire les numéros de la ligne parce que ce n'est plus un critère d'évaluation. Donc, il faut simplement écrire la citation entre guillemets français. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre, dame? Ça pourrait arriver aussi que nous ayons besoin de couper un passage dans le texte qu'on choisit. C'est le cas qui nous est présenté ici au numéro 3. Donc, lorsqu'on désire couper dans le texte à l'étude, il faut le signaler par des crochets. Et puis là, essayez de trouver vos crochets dans votre ordinateur, dans votre logiciel Word. Donc, crochet, trois petits points, crochet. Et puis, on a un exemple, bien sûr. Donc, c'est ce qu'on a ici. Donc, c'est d'ailleurs ce que le lecteur remarque au moment où le personnage affirme. C'est ce qu'on a appris tout à l'heure. Deux points. On ouvre les guillemets. Lorsque je cours sur mon tapis roulant, crochet, trois petits points, crochet, j'ai l'impression d'être une métaphore. C'est la blague du jour. Est-ce que vous la comprenez? Peut-être. Donc ici, on a enlevé un tout petit bout de texte. J'en ai enlevé un tout petit bout. Il ne faisait pas mon affaire. Et puis, ça m'a permis de cibler au point que je voulais. Donc, cibler la phrase que je voulais comme il faut. Les idées que je désirais surtout. Donc, numéro 3, lorsqu'on désire couper dans le texte, on le signale par des crochets. Il nous reste une dernière chose à regarder, qui est numéro 4. Donc, qu'est-ce qui arrive si on travaille avec de la poésie? Qu'est-ce qui arrive si on travaille avec de la poésie? Donc, on place des traits obliques entre les vers consécutifs. Et puis là, ça va être ma tentative de vous émouvoir. Alors ici, on va citer un très très joli poème. C'est le plus beau poème de toute la vie. Alors, regardez ça ici, comment c'est joli. La courbe de ses yeux fait le tour de mon cœur. Un rond de danse et de douceur.
Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu, c'est que ses yeux ne m'ont pas toujours vu. C'est pas beau, ça, Jonquière? Oui, c'est beau. Oui, dame, oui, c'est beau. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit au correcteur, au lecteur, voici des vers consécutifs. Et puis là, je les ai identifiés avec des slashes ou des traits obliques, on pourrait dire ça comme ça. Et puis, remarquez aussi dans les deux passages, donc dans le premier vers, j'ai changé un mot. Donc, c'était écrit la courbe de tes yeux, et puis là, j'ai changé pour ses yeux. Donc, j'ai le droit de changer des mots, mais tant et aussi longtemps que je le signale. Donc, ici, j'ai changé le tes pour ses. Et puis, même, je l'ai fait aussi au dernier vers. Et puis, vous remarquez, comme on l'a appris tout à l'heure, qu'il y a un tout petit bout du poème qui est enlevé. Il est placé entre deux crochets, donc je signale même les passages que j'enlève. Donc voilà pour ce qui est de l'outil d'écriture. Donc comment fait-on pour écrire les passages des textes qu'on étudie dans notre dissertation? Voilà pour notre outil d'écriture. On s'en va enfin à la théorie. On y va. À tout à l'heure.